Salut! Ici, c'est le départ d'une source qui est entretenue au 19e siècle, voire peut-être même avant. Mais du coup, plus rien n'a été entretenu depuis 1980. Donc il va falloir creuser et tout déboucher. Tout refaire correctement. Je propose un walkthrough, marcher à travers, pour voir d'où vient la source et où elle va. Vu que c'est la fin de l'été, il y a beaucoup moins de débit qu'avant. Mais il y en a quand même. Alors, ils ont mis des regards vraiment partout. Alors, la biodiversité, c'est pas mal. Mais quand on peut plus passer et récupérer de l'eau, ça devient un peu compliqué. Alors, moi aussi, j'aime bien les murs de murs. Mais quand même, quoi, ça pique. Le regard que je préfère. J'avais commencé à creuser quelques mètres par ici. Alors ici j'ai déjà réparé. Il y avait un chêne que j'ai coupé, puis je l'ai déraciné à la main. Et enfin, creuser toute la tranchée. Ici c'est cassé parce que je croyais que c'était un endroit pour déboucher, mais c'est pas le cas. Alors pour creuser une tranchée comme en 1914, comment ça marche? On commence à piocher. On enlève 2-3 cailloux. Là, il n'y en avait qu'un seul, donc c'est tout. Et ensuite, on pèle. Et voilà. Il y en a encore pour 100 mètres. Patience et longueur de pioche valent mieux que les haches. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser les haches pour piocher, parce que c'est pas fait pour ça. Enfin, ici en l'occurrence, ça fait les deux, hache et pioche. Ça permet de couper les racines et puis ensuite les piocher. L'autonomie, c'est dur. Pour savoir que j'ai une maladie rare, il a fallu que j'aille aux États-Unis pour me la faire diagnostiquer. C'est la phlémagite aiguë. Et il y a seulement des champignons rares qui sont tout aussi rares du Mexique qui permettent de me calmer. Alors, il y a aussi Motivex vendu en pharmacie, mais il faut une prescription, donc c'est embêtant, quoi. Perfectionniste. Les cailloux à gauche, la terre à droite. C'est important pour s'y retrouver après. Il se fait tard, je commence à manquer d'énergie, devenir fragile, donc je vais prendre le dîner pour récupérer de la calorie.
Et c'est pas une salade qui va me suffire pour récupérer les acides aminés. Allez, je reprendrai un autre jour. Rock and roll!